Bonsoir tout le monde. Alors, je vais être rejointe par Julie d'une part et Marion d'autre part de la CITIM. Bonsoir à toutes les deux. Bonjour à toutes les deux, heure du Québec, du coup. Bonjour. Oui, bonjour. Avant de vous laisser la parole pour présenter ce que vous faites à la CITIM, ce que fait la CITIM tout simplement, un organisme qu'il faut absolument connaître si on part vivre à Montréal. Et puis, on va parler évidemment du sujet du soir qui est la reconnaissance de diplômes, les études comparatives et les ordres professionnels au Québec. Avant de vous laisser la parole, hein, comme d'habitude, je prends quelques minutes pour présenter PVTiste et vous rappeler qu'on est sur notre site, notre application mobile et aussi nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, mais aussi TikTok. On est là pour vous renseigner pour votre projet au Canada, que ce soit une demande de PVT, de permis stage, jeune pro, VIE, peut-être des études, un petit peu la résidence permanente, puisqu'on en parlait hier soir avec l'équipe du cabinet d'avocats Nadia Barou. Vous avez le replay hein, sur notre chaîne YouTube PVTiste, on parlait de la demande de résidence permanente au Québec. Vous voyez, on essaye d'aborder un peu tous les aspects d'un départ au Canada, logement, emploi, etc. Je vous invite à aller sur notre site et à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Vous verrez qu'on a du contenu informatif, on a des témoignages, un forum de discussion et on a même des offres d'emploi de la part d'employeurs, surtout au Québec, plus qu'ailleurs au Canada, puisque comme ils sont francophones, ils ont l'intérêt, entre guillemets, d'embaucher des étrangers francophones, donc ils connaissent pvtiste.net. On vous propose également des ateliers de préparation au départ, c'est des sessions en visio où vous êtes un petit groupe et vous allez pouvoir tous mettre votre son et votre caméra si vous le souhaitez pour poser vos questions à une de mes collègues sur tout ce qui est l'avant-départ, la dernière ligne droite avant le départ, le jour de l'arrivée, hein, quand on valide son permis, mais aussi les toutes premières démarches. Les prochains ateliers auront lieu les 20 et 27 février prochains. On a également un podcast qui s'appelle Changer d'horizon, qui est disponible sur toutes les plateformes, qui a une saison pour le moment et qui vous permet de suivre là aussi des parcours intéressants qui vous feront peut-être écho. Pour nos prochains événements, donc demain à midi, sur notre compte Instagram PVTiste, on fera une heure de questions-réponses en direct sur le PVT, toutes destinations confondues. Le 20 février, on sera avec ILAC qui nous présentera une formation hôtellerie, restauration, tourisme que vous pouvez faire à Toronto, Vancouver ou Whistler, qui vous permet de partir en permis d'études avec la possibilité de travailler une vingtaine d'heures à côté de vos cours et puis ensuite d'enchaîner avec une expérience de travail. Ça peut être notamment un plan B si jamais vous n'êtes pas tiré au sort pour le PVT. Et puis pour ceux qui arrivent bientôt à Montréal, notez que le 20 février prochain, il y a une rencontre PVTiste dans un bar de la ville, de quoi rencontrer des gens qui sont arrivés comme vous il y a quelques jours, semaines, voire plus, et qui pourront peut-être vous donner de bons conseils. Je ne vais pas être plus bavarde que ça. Et bien évidemment, je vous rappelle qu'en commentaire, vous pouvez laisser vos questions pendant toute la durée du webinaire. On va rester sur le thème du soir, donc tout ce qui est reconnaissance de diplôme, études comparatives et ordre professionnel au Québec, je précise. Si vous voulez aller ailleurs, ça ne va peut-être pas être ce soir que vous allez trouver de l'information, mais on sait que pour la majorité d'entre vous, le Québec, c'est un peu la province star. Donc, on s'est déjà focalisé sur ça ce soir. Je vous laisse la parole, mesdames. Ben, merci beaucoup de nous accueillir. Puis, c'est ça, on va présenter peut-être rapidement, avant de se lancer sur le sujet, les services de la CITIM parce que ça va être un bon complément aussi à pas mal de nos services qui pourraient vous intéresser. Fait que la CITIM, on est qui finalement? On est un organisme à but non lucratif. On est financé par le ministère de l'Immigration du Québec d'une part et puis Service Québec, c'est le ministère de l'Emploi du Québec, là, d'autre part. Donc, on a la chance de pouvoir vous accompagner gratuitement. C'est ça qui est quand même vraiment le fun là, dans nos services, sauf les cours d'anglais, mais ma collègue Julie vous en parlera après. On peut vous accompagner dans ce qu'on appelle l'installation, en fait. En installation, notamment, ce qui est vraiment pertinent et puis qu'on conseille, c'est le pré-départ. Pourquoi? Parce que, en fait, dès que vous obtenez une lettre d'acceptation, donc vous faites vos demandes, études, PVT, qu'importe, à un moment donné, vous allez recevoir une lettre d'acceptation. Ben là, vous êtes éligible à nous rencontrer, en fait, avant de partir. Et puis là, on peut vraiment voir, c'est comme toutes les questions que vous posez, et notamment, parfois, en lien avec la thématique, dans votre cas, qu'est-ce qui s'applique? Est-ce que ça peut être pertinent ou pas de commencer avant les démarches d'évaluation comparative dont on va parler tantôt? Et puis, finalement, si jamais
vous n'avez pas forcément envie de préparer avant, vous voulez arriver comme ça. On peut aussi vous prendre des marges d'installation plutôt à votre arrivée. Et post-installation, bah, finalement, c'est parfois sur le plus long terme. Vous êtes là comme depuis 2 ans. Puis, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Par exemple, votre propriétaire vous dit que c'est à vous de payer telle chose. Puis, vous n'aviez jamais besoin de vous poser les questions de c'est comme des droits des locataires. Fait que là, vous ne savez pas exactement vers qui vous tournez, vous ne savez pas, ben, vous pouvez nous rejoindre à la CITIM, ben, on vous accompagne, on vous donne de l'information et des références pertinentes dans votre cas. Les démarches d'installation vraiment et pré-départ, c'est un plus gros package, là où on voit toutes les démarches, est-ce que vous avez fait votre NAS, le permis de conduire, parce que dépendamment de vos types de permis, de plein de choses, ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes droits, donc c'est quand même assez pertinent de faire une démarche en individuel pour être s'assurer que dans son cas, c'est valable. Puis, on vous conseille pas mal, finalement, de vous faire accompagner aussi quand vous arrivez pour mieux comprendre où est-ce que vous avez atterri dans cette société québécoise, notamment quand on est français, on pourrait croire que comme on parle la même langue, c'est la même culture ou des choses comme ça, ben, non, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu au Québec puis en France. Puis c'est quand même pertinent de se poser la question des spécificités de la société québécoise. Donc, objectif intégration, c'est vraiment ça. On se parle de l'histoire du Québec, des valeurs québécoises importantes et comment elles sont vécues ici et pourquoi par rapport au contexte historique, sociopolitique, plein de choses. Et puis, on a une journée où on aborde un petit peu plus, c'est comme les codes culturels en emploi, c'est comment ça se passe, l'emploi au Québec. Et en complément, ma collègue Julie vous parlera plus du parcours en emploi qui est vraiment aussi très pertinent à votre arrivée. En suivant aussi, toujours dans l'installation, on fait plein de rencontres thématiques. Donc, des rencontres thématiques, c'est très large. Ça peut être des rencontres d'informations sur des sujets qui sont pertinents, notamment à l'arrivée, de comprendre bien la cote de crédit, donc d'avoir une carte de débit, mais aussi une carte de crédit. Donc là, on va, par exemple, recevoir Banque Nationale Canada qui va venir nous expliquer tout ça. Les REER, les CELI, donc ça, c'est plus au niveau financier, mais ça peut être le tribunal administratif du logement qui nous parle des droits et responsabilités en tant que locataire. Puis, c'est aussi toute une gamme d'activités sociales. Là, par exemple, samedi après, elle me dit, vous voyez, je vais être avec un groupe de participants, on va aller faire des raquettes sur Mont-Royal, enfin bon, si la neige arrive à peu près rester en place. On n'a pas des températures tout à fait normales pour un mois de février en ce moment. Donc voilà, on fait plein de rencontres sociales, vous pouvez vous rencontrer, tu sais, comme, et puis faire des activités ici un peu du Québec, fait que c'est quand même vraiment chouette. Puis le jumelage interculturel, je ne vais pas aller trop long dessus parce qu'on n'a plus de place jusqu'à juillet, parce que c'est victime de son succès un petit peu, c'est vraiment d'être jumelé quand vous arrivez avec une personne de la société d'accueil, donc soit une personne québécoise, soit quelqu'un qui est là installé depuis longtemps, puis avec qui vous allez pouvoir aller faire justement dans des activités un peu de type social, aller boire un café, aller voir un film au cinéma, se rencontrer l'un chez l'autre pour se faire découvrir la cuisine de notre pays. Fait que voilà. Pour l'instant, c'est un peu en pause, mais si vous prévoyez d'arriver plutôt juillet, août, n'hésitez pas à ce moment-là aussi vous rapprocher de la CITIM pour bénéficier du jumelage interculturel. Puis je passe la parole à ma collègue Julie pour vous présenter le reste de nos services. Merci Marion pour l'introduction. Donc, moi c'est Julie, je suis conseillère au programme ingénieur, donc à la CITIM. En fait, je vais vous en parler. Pardon, vous voyez sur la présentation notre parcours génie. Donc, on a un programme spécifiquement dédié aux professionnels formés en génie à l'étranger, mais aussi pour toute autre profession, autre métier, parcours travail au Québec. Donc, en fait, c'est un bon complément à tous les services d'installation dont Marion vient de vous parler. Donc, sur le parcours travailler au Québec, en fait, dans les deux cas, on va vraiment offrir un accompagnement individuel pendant lequel on va vraiment voir c'est quoi vos objectifs professionnels. On va voir aussi tout ce qui est plan d'action. Donc, nous, à la CITIM, on travaille en plan d'action. On travaille un plan d'action avec vous pour que vous atteigniez vos objectifs. Et dans les parcours, il y a aussi du groupe. Donc, pour le parcours travailler au Québec, c'est 7 jours où on aborde toutes les thématiques relatives aux méthodes dynamiques de recherche d'emploi, donc comment on adapte bien son CV
on va dire, au modèle québécois, comment on se prépare à une entrevue, parce que ça aussi, culturellement, ça va être différent. Le profil LinkedIn, le réseautage, donc tout ce que vous avez besoin de savoir là, pour atteindre vos objectifs professionnels quand vous arrivez ici. Donc, 7 jours sur 2 semaines au parcours travaillé au Québec, puis on touche aussi à ce moment-là dans le parcours des compétences douces, un peu plus comme travail d'équipe, parce que, bon, en fait, je répète tout le temps, mais culturellement, ça aussi, ça peut être différent d'un endroit à l'autre. Donc, c'est super pertinent et intéressant. Pour le parcours ingénieur, en fait, c'est individuel, groupe, mais sur 2 jours, donc c'est un petit peu plus court parce que l'accompagnement est généralement un petit peu plus court aussi. On vous propose une séance infogénie, donc qui touche les démarches d'adhésion spécifiquement, par contre, à l'ordre des ingénieurs. Et donc, il y a plein de petites choses. Je regarde, donc, on propose aussi du réseautage avec les midi-génies, rencontres individuelles, comme je disais, on travaille le plan d'action, mais spécifique aux ingénieurs. Donc, on est 3 collègues à vous accompagner. L'équipe travaille au Québec est un petit peu plus grande. Dans les 2 cas, il faut être physiquement présent au Québec. Donc, quand vous arriverez sur Montréal, communiquez avec nous, vous serez les bienvenus. On a aussi un service aux entreprises, donc on a la chance à la CITIM de travailler avec notre collègue Ninon, qui est conseillère aux entreprises, qui organise pour vous, en fait, pour nos participants, des activités de réseautage. Donc, certains, c'est vraiment comme connexion CITIM pour se connecter avec d'anciens participants, parce qu'on sait que le réseautage, c'est super important. Mais d'autres, c'est vraiment aussi des employeurs qui viennent sur place échanger avec des candidats en recherche d'emploi. Et elle fait ce qu'on appelle, bon, ici, ces rencontres de placement, mais on n'est pas une agence de placement, des rencontres de mise en relation avec les employeurs. Donc, elle va essayer de vous rapprocher des employeurs. Alors, c'est son rôle. Puis, elle a quand même un bon bassin là, d'employeurs contact. Alors, ça vaut la peine aussi de rencontrer Ninon. Comme Marion le disait tantôt, on propose des cours d'anglais. C'est le seul service qui est payant. C'est vraiment basé sur la conversation. Donc, on sait que souvent, la lacune, c'est souvent on comprend assez bien l'anglais, on le lit bien, tout ça, mais c'est plus difficile de parler parce qu'on n'a pas pratiqué. Alors, ben, c'est un endroit pour venir pratiquer votre anglais à la CITIM. Et vraiment, les coûts sont symboliques. Là. C'est juste pour payer les professeurs, en fait. Donc, je pense que c'est comme autour de 3 $ de l'heure. Alors là, je ne veux pas trop m'avancer, mais vous allez pouvoir, en fait, si vous allez voir là, sur le site de la CITIM, avoir plus d'informations par rapport à ça. Peut-être aussi, je vois en fait sur la petite présentation, on a des offres d'emploi aussi à la CITIM, donc c'est encore Ninon qui s'occupe de ça. Il y a vraiment un pont avec les employeurs qui est, je pense, un atout aussi intéressant pour nos participants. Donc, je ne sais pas, Marion, si j'oublie quelque chose. Ça, non, tout à fait. C'est ça, c'est bien 3 $ de l'heure normalement pour le cours d'anglais, il me semble. Puis c'est même accessible, il me semble, depuis l'étranger pour le coup en virtuel. Si jamais vous savez que vous voudriez vous sentir plus à l'aise, normalement c'est possible depuis l'étranger. Excellent. Merci. Je te laisse continuer. Oui, merci beaucoup. Et puis, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire aussi, n'hésitez pas à regarder, mais merci Julie, ça a été posté aussi dans le chat, là, mais n'hésitez pas à aller regarder via notre agenda de la CITIM. Sur l'agenda de la CITIM, en fait, vous retrouvez l'ensemble des activités qu'on fait et vous pouvez vous familiariser notamment avec tout ce qu'on fait. Puis, c'est écrit, c'est bien mentionné, c'est ouvert à tous ou pas ouvert à tous. Fait que ça peut... Vous pourriez voir un petit peu plus nos services au travers de l'agenda aussi. Fait que c'est ça. Là, je pense qu'on a fini la présentation des services. Et puis, l'idée, ça va être maintenant de vous parler de ce qui vous amène ici. On va se parler d'évaluation comparative, en fait, des études, tout ça, tout ça. Alors déjà, petite introduction. Parfois, il y a comme des notions qui sont confondues. Donc, c'est bien juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Souvent, vous parlez des équivalences, des diplômes, de l'évaluation et tout ça, puis vous ne savez plus trop où vous en êtes avec tout ça. L'évaluation comparative des diplômes, non, je vais commencer par l'équivalence en fait. C'est l'équivalence, là, il faut bien comprendre que c'est juste vous, si vous voulez comprendre votre diplôme, à quoi il référerait en termes de diplôme au Québec, vous pouvez ouvrir le schéma du système scolaire québécois et puis regarder
vous, vos diplômes, à quoi ça équivaut. En soi, il y a des personnes qui vont pas forcément avoir besoin de faire l'évaluation comparative des diplômes, mais qui vont, dans leur CV, avoir besoin de savoir c'est quoi l'équivalence. Parce qu'on se présente pas avec nos diplômes pas du Québec, là, l'employeur il a besoin de savoir, c'est oui, mais au Québec, là, ça me donne quoi. Fait que c'est cette notion d'équivalence, c'est plus toi, là, si tu dois te dire, OK, je compare, je pense que c'est à peu près ça. OK. Mais il faut comprendre que ça n'a aucune. Légitimité, il n'y a rien de légal, là. C'est toi. L'employeur, il peut te croire ou il peut ne pas te croire. D'accord? Donc, l'équivalence, c'est ça. Vraiment, là, on va plus se parler justement de l'évaluation comparative des études du MIFI. Faut comprendre que nous, là, on va se parler de la province du Québec. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une ou deux personnes qui demandaient ce qu'on va se parler aussi de l'Ontario ou quoi. Là, nous, on vous parle vraiment du Québec. L'évaluation comparative des études faite par le ministère d'immigration, de la francisation et de l'intégration, c'est vraiment pour le système québécois. En fait, c'est avec le système scolaire québécois. Que ce soit équivalence ou évaluation comparative des études, c'est pas un diplôme québécois. Fait que, sachez-le, là, c'est juste que le ministère va estimer, lui, par rapport au contenu, de ce que vous avez fait, le nombre d'études que vous avez fait, le contenu de vos cours, ça équivaudrait, ce serait quoi les études d'ici. Mais c'est pas le diplôme, ça vous donne pas le diplôme québécois. Donc, notamment, si vous avez plutôt besoin du diplôme québécois, tout à l'heure, ma collègue Julie va plus vous parler de ce qu'on appelle la RAC dans notre jargon, là, mais c'est reconnaissance des acquis et des compétences qui peut être une voie pertinente, on va dire, pour certains et certaines. Alors finalement, maintenant qu'on comprend qu'on va se parler de l'évaluation comparative, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai pas besoin? C'est quoi l'utilité de faire son évaluation comparative et comment est-ce que je peux essayer de savoir si j'en ai besoin ou pas? En fait, il va falloir finalement vous poser des questions de base, là, c'est-à-dire c'est quoi votre projet d'immigration au Québec? C'est-à-dire que c'est sûr que si tu arrives en tant que résident permanent au Québec et puis que tu as l'ambition de retrouver peut-être le titre que tu avais et puis que tu te rends compte que c'est un métier réglementé, ben là, oui, ça va être pertinent de faire l'évaluation comparative et puis de lancer cette démarche le plus tôt possible. Mais si tu viens en tant que PVTiste, passer 2 ans au Québec, puis que tu aimerais ça travailler dans ton domaine, mais mettons que, à part travailler dans ton domaine, tu es assez libre. Et puis quand tu te renseignes sur le marché du travail, tu vois qu'il y a pas mal de travail dans le secteur privé ou communautaire, peut-être que tu n'as pas besoin de faire l'évaluation comparative. En revanche, ce qui est intéressant avec l'évaluation comparative, c'est notamment pour rassurer les employeurs. Ça, on va dire que qu'importe votre projet, c'est sûr que ça rassurera les employeurs que le ministère du Québec ait attesté le niveau de scolarité que vous auriez au Québec. Et puis, finalement, dans certains secteurs, c'est comme obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez aller travailler dans le secteur public ou parapublic, ça va être obligatoire. Si vous allez dans le secteur privé, mais que l'entreprise pour laquelle vous voulez obtenir un poste, en fait, va avoir des contrats avec le secteur public, d'accord ? Là aussi, il va vous falloir l'évaluation comparative parce qu'on veut être sûr que vous avez le bon niveau pour exercer votre métier, en fait. Ma collègue Julie, tantôt, me rappelait, je trouve que c'est vraiment intéressant peut-être pour certains de vous, si vous avez un projet aussi, de vous dire peut-être plus long terme, là, mais souvent au Québec, on aime bien avoir que vous ayez une première expérience québécoise. Vous allez voir, on ne va pas aller trop là-dessus aujourd'hui, là, mais il y a des stages qui sont proposés régulièrement par justement le secteur public pour vous permettre, en fait, de faire un premier emploi. Là aussi, pensez-y, dans ce genre de stage, on vous demandera l'évaluation comparative et parfois c'est une très belle porte pour commencer son expérience ici au Québec sur un stage qui va être rémunéré, mais qui va faire qu'ensuite vous pourrez aller trouver de l'emploi dans votre secteur plus facilement parce que vous aurez eu votre première expérience québécoise. Fait que c'est un peu ça l'idée. Déjà, renseignez-vous sur
posez-vous la question de c'est quoi mon projet d'immigration. Il faut toujours aussi, tantôt là, ma collègue Julie va vous parler de la reconnaissance des acquis et des compétences qui là va aller à un moment donné vous diplômer. C'est toujours très important de valider que sur votre permis, le type de permis que vous avez, vous êtes éligible, vous avez le droit de faire certaines démarches ou non. Ça, c'est très, très important. Les PVTistes, par exemple, vous ne pouvez pas passer par la RAC, sauf des exceptions que ma collègue vous parlera tout à l'heure. Mais rappelez-vous que vous devez respecter les conditions de votre séjour ici et du type de permis que vous avez. Alors, aussi, justement, quand est-ce que c'est intéressant et même, je vous dirais, obligatoire, encore une fois, cette évaluation comparative des études ? Il va absolument vous le falloir si vous vous rendez compte que votre métier est réglementé au Québec. D'accord ? Ce qu'on se disait, si votre métier est réglementé et que vous voulez rentrer dans l'ordre, ben là, il va vous falloir l'évaluation comparative. Ça va être c'est comme la première étape à faire. Est-ce que, Julie, tu sais, il y a des choses que tu vas rajouter par rapport à ce que je viens de dire ou... Non, je vais peut-être clarifier, en fait, par rapport, je vais le préciser tantôt par rapport à l'ordre professionnel, puis je voyais, il y avait un commentaire aussi dans le chat. Donc, c'est pas une évaluation comparative, c'est vraiment, je vais l'expliquer mieux tantôt, mais c'est vraiment un processus qui permet à l'ordre, en fait, de dire oui, votre diplôme est. Et c'est là le seul endroit où on pourrait utiliser le mot équivalence est équivalent à un diplôme ici au Québec, mais vraiment à la fin du processus. Puis, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas comme d'équivalence. En fait, il y a une adhésion à l'ordre des ingénieurs. À l'ordre professionnel. Là, ça se peut que j'ai le réflexe de parler de l'ordre des ingénieurs, mais oui. Oui, c'est surtout ça. Mais tantôt, je vais le préciser de toute façon. Je pense que ça va... OK. Fait que là, justement, on en arriverait plutôt à c'est quoi la démarche à faire, en fait, pour faire cette évaluation comparative. L'évaluation comparative, si déjà, quoi qu'il en soit, que vous en ayez besoin ou pas, moi, je conseille toujours, en fait, dans notamment le pré-départ qu'on fait, que les personnes, en fait, fassent les copies certifiées conformes de leur diplôme et pourquoi pas aussi des bulletins de scolarité avant de partir de vos pays. Vous partez avec vos copies certifiées conformes dans votre bagage, ok, ça, normalement il n'y en a pas 50 non plus là. Ça permet que si vous n'êtes pas sûr, au moins vous aurez les bons documents quand vous arriverez au Québec et puis vous vous rendez compte, ah si, c'est comme, ben là finalement je vais aller de l'avant au niveau de cette fameuse évaluation comparative des études, des diplômes. Et puis, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que les copies certifiées conformes, en règle générale, dans nos pays d'origine, donc soit, moi je peux vous parler plus spécifiquement de la France là, mais en France, c'est sûr qu'en mairie, c'est gratuit, d'accord, de vous faire faire une copie certifiée conforme à l'original. Alors que si vous attendez d'être au Québec, par exemple, ben, ça va être payant, ok ? Puis ça va être payant aussi, notamment au niveau des... si vous êtes inscrit au registre des Français à l'étranger, ben, c'est un petit peu moins cher que si vous n'êtes pas inscrit au registre des Français à l'étranger. Je pourrais vous partager dans le chat tantôt, quand ma collègue Julie prendra le relais, on a la grille là, des tarifications pour information. Une copie certifiée conforme à l'original, donc un seul document. Déjà, c'est vous qui devez faire les photocopies avant. Et quand vous avez votre rendez-vous au consulat, vous avez vos photocopies et vos originaux. Puis là, ils vont tamponner. Puis c'est comme 11 dollars, c'est comme si tu es au registre des Français à l'étranger, 21 dollars si tu n'y es pas. Fait que, imaginez-vous si vous avez comme 15 copies à faire. Ça va commencer à être relativement cher, alors que si vous l'avez fait avant, il n'y en a pas forcément, c'est comme ça va vous coûter beaucoup moins cher. Puis je vais me permettre de partager justement plus mon écran, parce que vraiment le ministère a fait... Non, c'est pas... C'était l'autre... Ah ouais, super. Le ministère, en fait, a refait tout un travail sur...
sur leur site. Et puis, je trouve qu'ils ont fait un très bel effort. Ils sont très, très clairs sur cette fameuse évaluation comparative. Donc, ça, on va vous le mettre dans le chat. Ça, c'est le lien pour aller sur le site du ministère. Il faut absolument passer par le site du ministère. Et puis, moi, ce que je vous dis, c'est comme c'est tout est écrit. Là, dans préparer votre demande, vous voyez, on vous dit tout de suite, n'envoyez pas de documents originaux. Je veux dire, c'est la première chose qu'on vous dit, c'est en gras, c'est souligné. Vous savez que vous ne devez jamais envoyer les originaux, d'accord ? Et puis, finalement, tout est vraiment rédigé sur les étapes. Vous devez remplir un formulaire. Donc là, quand vous cliquez, en fait, ça vous ouvre la page. Vous le téléchargez, vous remplissez le formulaire. On vous dit les pièces d'identité qui sont éligibles, d'accord, dépendamment aussi des fois de nos pays d'origine. On peut avoir plutôt ce type de pièces justificatives ou d'autres pièces justificatives. Donc là, à vous de vérifier dans votre situation lequel est pertinent pour vous. Puis là, on vous parle de joindre vos documents scolaires. Donc là, c'est super important, cette partie-là. On vous dit bien qu'il vous faut des copies certifiées conformes à l'original. Simplement faire des photocopies des diplômes que vous avez eus, ce ne sera pas suffisant. Il faut que ça ait été certifié par une autorité reconnue par le ministère. Et là encore, c'est très important. Vous voyez ici, on vous a mis le lien, il y a le lien dans le site, de la liste des autorités qui sont reconnues par le ministère. Parce que ça, encore une fois, parfois, ça dépend de nos pays d'origine aussi. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, vous voyez qu'ici, ça vous demande de mettre de quel pays vous venez. Puis, si vous cliquez « Aller », d'accord, ça va vous dire, en fait. OK ? Là, par exemple, on a l'Algérie. Ça va vous dire, ça vous met des remarques. Donc, toujours vous assurer, je vous dirais que c'est bien adapté à votre cas. C'est bien les forums pour prendre des premières infos, mais c'est comme, il n'y a que ici, là où c'est le légal reconnu, puis c'est sur le site du ministère. Fait que c'est ça, là, vous allez avoir besoin de faire un certain nombre de copies certifiées conformes. Ça vous dit pour les études secondaires, les études post-secondaires. Ça vous parle aussi des langues de scolarisation, notamment parce que parfois, si tous vos documents, en fait, ils sont pas rédigés en français, ben, il va peut-être falloir aussi qu'il y ait un traducteur agréé. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir une liste de traducteurs agréés plus loin, d'accord ? Puis, vous voyez, les délais sont inscrits normalement quand vous commencez. Je vous dirais que plus tôt vous y prenez, mieux c'est au niveau des délais. Pourquoi ? Parce que on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette demande en ce moment, sûrement. Les délais sont relativement longs. Ça peut prendre 6 mois plus. Moi, j'ai des personnes, ça fait plus de 6 mois qu'elles sont en attente de leur évaluation comparative. Donc, c'est ce qu'on se disait, si tout à l'heure je vous disais les 2-3 choses à vous poser comme question, vous dites « ouais, moi je veux bosser dans le public, c'est de l'immigration longue, puis je me renseigne, puis je vois mon métier réglementé, puis bah, c'est comme lancez-le avant de partir ». En fait, vous pouvez lancer cette demande avant même d'arriver au Québec. Ça, c'est aussi très important à savoir, donc n'hésitez pas. Plutôt vous y prenez, c'est mieux c'est pour vous. Puis, il faut quand même comprendre qu'ici, on est quand même en Nord-Amérique, là. Fait qu'on est il y a un côté, c'est assez, je vous dirais, ça va avec le libéral, là, un petit peu, mais il y a quand même des moments où vous pouvez faire accélérer le traitement de votre demande. Pour que vous soyez, ce ne sera plus une histoire de quand est-ce que votre dossier est arrivé, mais votre dossier va être pris, va être mis sur le dessus de la pile. Ben, c'est quoi, en fait, les cas où ça pourrait être un traitement prioritaire ? C'est si vous avez un employeur qui est prêt à vous embaucher, là, mais en fait, il veut absolument avoir votre évaluation comparative pour être sûr. Ben, là, il va vous pourriez demander un traitement accéléré, d'accord ? Ou si ça fait parfois un petit temps que tu es là, puis dans ta recherche d'emploi, à chaque fois, ça a buté parce que tu n'avais pas ton évaluation comparative. Tu pourrais aussi voir avec les bureaux de Service Québec qui peuvent vous faire des lettres pour que le traitement de votre évaluation comparative soit traité en priorité, d'accord ? Ou vous voyez aussi qu'il y a les organismes de réglementation, notamment tout ce qu'on va se parler aussi, notamment au niveau des ordres. Parfois, si ça retarde énormément votre processus, ils peuvent vous faire des lettres, d'accord ? Là, ça vous dit qu'il faut joindre une lettre pour demander un traitement prioritaire, d'accord ? Ça vous donne
tout ce qu'il faut qu'il y ait sur cette lettre-là, d'accord ? Puis même là, après, ils ont fait des petites spécificités par type de personne qui va vous faire la lettre, d'accord ? On rappelle que le paiement, c'est important parce que vous allez devoir aussi joindre la preuve que vous avez fait votre paiement. Et actuellement, vous voyez l'évaluation comparative, on voit ici 234 $, d'accord ? Fait que 134 $ canadiens, juste pour préciser. Donc, pour les délais, c'est ce que je vous disais, c'est quand même relativement long en ce moment, mais vous pourriez avoir une... C'est comme être estimé comme prioritaire si c'est pour l'emploi notamment. Fait que je pense que moi, là, j'ai à peu près... Je vous ai à peu près dit ce que je voulais vous dire sur cette démarche. Puis, je vais laisser ma collègue Julie... prendre le relais plus sur les ordres, tout ça. Merci Marion. Alors, j'ai commencé par faire la distinction en fait entre les professions réglementées et non réglementées. Donc, la première chose à savoir en fait quand vous voulez vous informer, puis tantôt je vais vous montrer aussi un site qui est super intéressant pour ça. Et je pose un peu les yeux sur ma feuille parce que je veux rien oublier. Donc, j'ai plein de notes devant moi. En fait, la première chose à faire, c'est vraiment ça en fait, c'est de trouver qui est en mesure de pouvoir évaluer, on va dire, reconnaître vos compétences. Donc, je vais vous parler, c'est ça, profession réglementée, non réglementée. Une profession réglementée, en fait, il y a 46 ordres professionnels au Québec. Donc, les professions réglementées, en fait, c'est vraiment là, ce que vous retenez, puis je vais en reparler, mais c'est l'organisme de réglementation, en fait, l'ordre professionnel qui va vraiment être en mesure d'évaluer vos compétences. Et pour les professions non réglementées, en fait, ben là, ça va être des évaluations comparatives, dont le MIFI, dont Marion vient de parler, ou bien un processus de RAC, de reconnaissance des acquis et des compétences. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par la RAC pour bien faire, puis je vais vous partager tout de suite une image. Oui, super, merci. Donc ici, c'est, si je reviens ici, donc vous voyez, c'est le site de Qualification Québec. Ah, en fait, j'étais déjà là. Attendez, est-ce que c'est ça? Je vais juste m'arranger pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc, sur Qualification Québec, vous pouvez chercher votre profession. Je peux faire le test avec vous. Par exemple, on peut écrire avocat. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, adjoint juridique, avocat partout au Québec, notaire au Canada, au Québec, notaire. Donc, vous avez vraiment le code national de la profession. Et là, vous pouvez aller voir pour chaque profession qui vous intéresse, en fait, bon, la description, vous allez avoir des particularités, puis ici, on va vous parler de la reconnaissance des compétences. Alors, si par exemple, vous faites partie d'un ordre professionnel, bien, il faut vraiment se tourner vers l'ordre professionnel. Si c'est un métier qui est non réglementé, en fait, vous allez le voir aussi là, sur cette page-là, donc ça peut vraiment être une bonne ressource, je pense, pour vous orienter. Si vous êtes dans un métier qui est non réglementé puis que vous avez envie de faire une reconnaissance des acquis des compétences, juste pour mieux comprendre ce que c'est, en fait, c'est toujours en lien avec un programme d'études spécifique. Donc, la reconnaissance des acquis des compétences, c'est vraiment une démarche pendant laquelle on va aller évaluer vos compétences acquises. Donc, on ne va pas forcément regarder juste les diplômes, on va regarder aussi vos expériences de travail. Mais toujours en fonction d'un programme d'études bien spécifique. Donc, vous allez ressortir, en fait, de la reconnaissance des acquis et des compétences avec un diplôme québécois. Alors, vous n'avez pas, tu sais, eux, ils partent du principe que vous n'avez pas à réapprendre ce que vous connaissez déjà. Donc, ni à refaire des études dans un, tu sais, là, en fait, je regarde ici, là, j'avais noté mot pour mot dans un contexte scolaire formel. Donc, si vous avez déjà réalisé ces apprentissages-là. Donc, ce qui importe, c'est vraiment ce que vous avez appris, ce que vous êtes capable de faire. C'est comme ça qu'on va fonctionner là, par la reconnaissance des acquis et des compétences. Et si vous vouliez, par exemple, ici...
aller chercher, il n'y a rien qui me vient en tête comme ça, mais la reconnaissance des acquis et des compétences. Par exemple, je vais juste revenir en arrière, je pense à une profession qui n'est pas réglementée et pour laquelle je sais qu'il y a un processus de RAC qui est possible. Et c'est les professions, par exemple, d'éducatrice en petite enfance. Donc, si je vais le chercher, par exemple, éducatrice en petite enfance, est-ce qu'il me le donne? Je vais juste faire éducatrice. Alors, donc, éducateur et éducatrice, je vais juste le trouver pour vous montrer à quel point c'est assez clair, là. Ce que vous devez faire... Ah, mais là, je ne le trouve pas. C'est pas grave, je vais lâcher prise. On lâche prise. En fait, ce que vous allez comprendre quand vous allez chercher comme ça, si vous êtes intéressé à la reconnaissance des acquis et des compétences, toujours dans une profession qui est non réglementée, c'est que c'est chaque université, par exemple, ou collège, ou école... où vous allez pouvoir aller chercher un diplôme d'études professionnelles, a son propre processus de RAC. Donc, il faut vraiment aller voir vers l'établissement de formation, puis toutes ces informations-là, vous allez les trouver sur ce site-là. Et sur Qualification Québec, vous allez pouvoir trouver aussi des infos sur, le système scolaire québécois, donc la réglementation des métiers et des professions pour les métiers réglementés. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère. Donc, c'est gratuit. Alors, vous pouvez aussi communiquer directement avec quelqu'un. Puis, si jamais vous avez des questionnements, ils sont là pour ça, pour vous répondre. Donc, ça, c'est ce qui serait plus au niveau de la RAC. Maintenant, si je bascule au niveau plus de l'accès à des ordres professionnels, donc, comme je disais, il y a 46 ordres professionnels ici au Québec. Déjà, il faut bien distinguer ordre professionnel et association professionnelle. Des fois, c'est quelque chose qui peut être mêlant. Donc, La mission première des ordres professionnels, c'est vraiment de protéger le public. Donc, la mission, c'est la protection du public, alors qu'une association professionnelle, ça va être beaucoup plus quelque chose qui va servir les membres de l'association. Donc, on dit qu'il y a 20% au Québec des professions qui sont réglementées. Donc, qui sont déterminés, en fait, et là, la reconnaissance, elle est vraiment déterminée par l'organisme de réglementation, puis on dit provincial, parce que chaque province aussi a son ordre professionnel. Donc, moi, par exemple, j'interviens auprès des ingénieurs formés à l'étranger. Alors, toutes les provinces du Canada ont leur propre ordre professionnel. Puis, je pense que je l'ai vu tantôt quelque part dans les questions aussi. En fait, généralement, les ordres s'organisent pour faciliter la mobilité aussi entre les provinces. Donc, mais à partir du moment où vous êtes membre d'un ordre professionnel. Alors, 80% donc des emplois ne sont pas réglementés. Donc, à ce moment-là, ça va être un petit peu, on va dire, à la discrétion de l'employeur, dont certains vont demander, comme Marion le disait, l'évaluation comparative des études du MIFI, surtout pour ce qui est public et parapublic. Puis d'ailleurs, ça m'amenait à vous dire, l'évaluation comparative du MIFI, bien, on l'a dit, vous le savez, c'est propre au Québec, mais entre autres, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir, c'est ici, on est la seule province où il y a des cégeps, donc qui sont comme des établissements d'études collégiales, de formation collégiale. Alors, certains employeurs veulent vraiment cette évaluation-là spécifiquement parce qu'elle se colle super bien au système scolaire québécois, contrairement à d'autres qui vont être plus, on va dire, canadiennes, plus générales. Alors, pour accéder aux ordres professionnels, donc là, je reviens juste sur mes notes pour être sûre de rien oublier. Donc, on l'a dit, c'est super important d'aller consulter le site de l'ordre professionnel qui vous concerne. Chaque ordre a sa démarche spécifique aussi, donc des coûts aussi qui leur sont propres. Fait que ça aussi, ça veut dire que, en fait, c'est très fortement... recommander de rassembler tout à l'avance, puis aussi ça vous permet d'appréhender les coûts parce que
pour certains ordres professionnels, c'est plus cher que d'autres, puis ça peut effectivement faire une différence sur votre budget quand vous arrivez. Qu'est-ce que j'allais dire? Excusez-moi, en fait, je ne veux rien oublier. Donc, regardez aussi sur les pages des ordres professionnels parce qu'il y a parfois des séances d'information aussi destinées spécifiquement aux professionnels formés à l'étranger. Donc, ça peut être aussi une bonne façon d'aller chercher de l'information. Alors, tantôt, je parlais des évaluations comparatives. Donc, et Marion l'a dit, pour tout ce qui est public, parapublic ici au Québec, l'évaluation comparative du MIFI, elle est encore, c'est celle qui est le plus souvent exigée. Quand vous êtes membre d'un ordre professionnel, généralement, elle est moins nécessaire parce que là, on comprend que vous avez eu une évaluation qui était vraiment complète à l'ordre. Mais des fois, il faut avoir deux évaluations. Je vous donne un exemple. Il y en a certains d'entre vous peut-être qui sont familiers avec l'évaluation comparative de World Education Services, WES. Par exemple, dans le cas de l'Ordre des ingénieurs, c'est une évaluation qui est exigée parce que c'est une évaluation qui va être cours par cours. Donc, eux, ils ont vraiment besoin d'aller voir les crédits de chacun des cours qui ont été suivis sur le parcours. Alors, puis même, donc, ils ont besoin de WES pour faire l'évaluation. Par contre, en attendant d'être admis à un ordre professionnel, des fois, on veut postuler, puis si vous n'avez pas l'évaluation comparative du MIFI, bien, ça se peut que ça vous bloque, en fait. Ça vous ouvre plus de portes, on va dire, de l'avoir. Puis là, c'est vous qui savez, c'est sûr que si vous voulez travailler dans les écoles, dans les hôpitaux, pour la fonction publique québécoise éventuellement, pour la ville de Montréal, Hydro-Québec, donc, et comme Marion le disait, pour certaines, il y a des firmes de génie conseil, en fait, qui vont travailler sur des projets d'ordre public, parapublic, et là, en fait, on demande aussi l'évaluation comparative du MIFI. Donc, pour pour certaines personnes qui ont à faire toute la démarche avec un ordre professionnel, ils vont aussi, en plus, devoir aller chercher l'évaluation comparative du MIFI pour atteindre leur objectif. Ça, des fois, c'est quelque chose qui arrive. Ça me faisait penser, en fait, au délai. Donc, il faut aussi prévoir un délai. Donc, si vous pouvez commencer toutes vos démarches avant de venir ici au Québec, c'est vraiment, vraiment judicieux. Donc, rapprochez-vous de l'ordre professionnel parce que, notamment, pour ceux qui ne bénéficieraient pas d'arrangements sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, de l'ARM, donc beaucoup de Français bénéficient. Il y a des ententes entre les pays, entre le Québec et la France. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc, si vous avez une évaluation de type WES à faire, donc ce genre d'évaluation-là, souvent, on va exiger que vos documents arrivent directement de l'établissement de formation et des fois, c'est juste plus facile, en fait, de faire toutes ces démarches-là quand vous êtes chez vous, avant d'arriver au Québec. Alors, la plupart des ordres professionnels, vous pouvez commencer là, vraiment vos démarches avant, puis ça accélère le processus. Quand vous arrivez ici, là, vous pouvez postuler plus rapidement, on va dire, sur des postes, pas d'ingénieur forcément, c'est que souvent, il y a une période, d'apprentissage. Avant, ça s'appelait la période de juniorat pour beaucoup, là, mais c'est vraiment une période pendant laquelle on veut faciliter la transition parce qu'on sait que quand vous êtes formé à l'étranger, bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent différer d'un endroit à l'autre dans la pratique. Donc, où est-ce que j'en étais? Excusez-moi, j'ai un petit blanc, mais tout ça pour dire que... En fait, retenez que plus vous commencez tôt les démarches avant de venir, plus vous avez accès au type de poste qui vous intéresse à terme. Peut-être que je peux juste rajouter une petite chose. Donc, j'ai parlé de l'ARM. Je suis sûre que j'oublie plein de choses, en fait. Mais je vois le temps qui passe aussi. Peut-être que ce que je peux vous dire, c'est que il existe aussi, en fait, des aides financières là, pour ceux qui ont la permission, on va dire, d'étudier ici au Québec, en fonction du permis que vous avez, qui s'appelle le PAFARC, mais ça aussi, en fait, ça va être partagé. Là, je l'avais mis dans les liens, je l'ai partagé à Julie.
Donc, je ne sais pas si j'oublie quelque chose, mais peut-être que ça va être dans les questions-réponses aussi qu'on va pouvoir y répondre, s'il y a des oublis. Je parle vite, hein? Non. J'essaie d'être efficace. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui revenaient sur la démarche d'évaluation comparative. Donc, je peux essayer de vous répondre deux, trois que j'ai vues là. Il y a quelqu'un qui me demandait si l'évaluation, si les copies certifiées conformes avaient une durée de validité. Alors, je veux quand même juste vous prévenir que là, on vous dit les choses en date d'aujourd'hui, mais que c'est comme toujours important d'aller vérifier le jour où vous lancez vos démarches. C'est comme ce qui est écrit et qu'on vous demande et s'il y a des nouvelles spécialités. Puis, c'est aussi pour ça que parfois se faire accompagner en individuel, c'est vraiment important, je vous dirais, dans ces démarches-là. Mais actuellement, non. En fait, à partir du moment où il y a la copie certifiée conforme, soit par l'établissement ou par une autorité reconnue, il n'y a pas d'histoire de durée de validité. C'est juste qu'on veut être sûr que vous n'avez pas modifié le papier. C'est juste qu'on veut être sûr que les notes, le fait que vous avez obtenu, que tout ça, c'est quand même... C'est le vrai diplôme, en fait. C'est pour ça qu'on vous demande le certifié conforme. Après, il y a quelqu'un qui demandait aussi, mais est-ce que je dois faire une évaluation par diplôme? En fait, quand tu fais ton évaluation comparative, dans la section, il y a une section où tu renseignes tes études, on va te demander de renseigner à partir du poste du secondaire, en fait, mais tu vas tout mettre et on va te dire que les documents qu'il faut que tu fournisses, c'est seulement la documentation de niveau secondaire et post-secondaire. Ok. Juste secondaire, je pense que ça parle à personne, peut-être pas à grand monde. On aurait peut-être dû vous montrer, en fait, c'est comme un... Je suis en train de me dire, ça aurait pu être pertinent, c'est le système québécois, là. Si vous l'avez, à la limite. Oui, ouais. Je vais le partager, si vous l'avez sous la main. Je vais le partager. Pas de problème. Que vous puissiez vous rendre compte. Tu l'as... Sinon, moi, je l'ai, là, dans les... En fait, je l'ai, mais c'est pas un modèle, c'est pas visuel, c'est sur Qualification Québec. Attends, je l'ai là. Hop. Fait que, attends, je vais essayer de le basculer là-haut. Par contre, j'avais pas fait de. C'est bon, Marion, si tu veux. Tu l'as? Okay, ah, super. Hop. Je vais juste l'ouvrir. Dans un nouvel onglet, peut-être? Ouf, c'est petit. Attendez. Est-ce que vous voyez bien? C'est un petit peu flou, mais on voit grosso modo une grande famille. Ouais. OK. Je peux peut-être essayer de... Après, je descends. En fait, le secondaire, c'est que c'est pas le comparatif, hein, mais c'est vraiment, on va dire, à partir de 12 ans, c'est les 5 années d'études avant d'accéder aux études collégiales et ensuite aux études universitaires. Je ne sais pas, Marion, si tu voulais... Oui. Ben, des précisions. C'est juste, c'est ça pour... parce que c'est vrai que le système scolaire québécois, il n'est pas conçu tout à fait pareil. Donc, pour que vous compreniez peut-être, c'est secondaire, c'est un petit peu comme notre lycée, là. Comme... et en fait, c'est qu'au Québec, après... le lycée, tu fais comme soit tu vas te spécialiser dans un métier, donc les DEC et tout ça qui correspondraient plus finalement si c'est au niveau professionnel, par exemple à un BTS, les BTS en France. Et puis si en fait tu veux partir en universitaire, il y a quand même un bon nombre d'études universitaires où avant tu vas quand même passer aussi par les cégeps pour faire, c'est comme une prépa en fait. Nous, ça serait un peu l'idée là, dans l'idée comme une prépa, puis après tu vas partir dans ton cursus universitaire. C'est pour ça qu'on n'est pas sur les mêmes, comprendre que c'est pas le même référentiel au niveau de ça. C'est plus comme ça l'idée au Québec.
Mais j'ai même envie, en fait, ça me fait penser, Marion, d'ajouter que, tu sais, tantôt, on disait l'évaluation comparative du MIFI, c'est vraiment basé sur le système scolaire québécois. Puis pour certaines personnes qui vont aller faire les deux, qui vont faire, par exemple, une évaluation cours par cours avec WES, qui est plus canadienne, et le MIFI, ils vont avoir même des résultats différents sur les deux évaluations comparatives. Donc, sur WES, par exemple, pour vous en France, si vous avez 5 ans d'études, ben ça va faire peut-être bachelor, master degree d'études, on va dire, de niveau universitaire. Alors que ici, ben un baccalauréat, par exemple, souvent dans les professions réglementées, c'est sur 4 ans. Donc, si c'est sur 4 ans, ben il vous manque 1 an pour le master degree, pour la maîtrise. Alors, des fois, c'est même pas le même résultat, en fait. Fait que c'est pour ça que l'évaluation comparative, elle est d'autant plus parfois nécessaire, parce que là, elle est vraiment réellement adaptée au Québec. Et puis, il y avait quelqu'un qui parlait de, en tant qu'étudiant international, à mon sens, là, mais c'est comme, Julie, tu pourrais dire ce que tu en penses, mais si vous venez au Québec, en fait, pour faire des études au Québec, que vous avez eu votre permis d'études pour venir faire vos études au Québec, ben, vous allez obtenir un permis québécois, c'est comme un diplôme québécois à la fin de vos études. Fait que, tu sais, comme l'évaluation comparative, moi, mon sens-là n'est pas utile dans ce cas-là. Puisque tu viens au Québec pour faire des études et donc tu vas avoir ton diplôme, tu sais, à la fin. Si tu réussis tes études, bien sûr, on s'entend, mais il y a comme ça, là, qui me... Sauf si c'est que si t'as comme deux voies, là, tu sais, si tu viens faire des études complètement sur autre chose, mais que tu veux certifier aussi une autre expérience que tu aurais eue. Par exemple, tu reprends tes études pour complètement autre chose, mais... En fait, ça va être surtout pour travailler pendant les études, ou ça dépend vraiment des objectifs professionnels, j'ai envie de dire. Ouais, puis j'ai... Oui, vas-y, je vais dire. En fait, j'ai oublié de vous dire que je trouvais quand même pertinent. J'ai parlé des ordres professionnels, mais il y a des titres qui sont réservés aussi aux membres de l'ordre. Fait que ça aussi, c'est important de le savoir. Toutefois, en attendant d'être membre de l'ordre, ça ne vous empêche pas de trouver dans ce champ-là un emploi, d'être dans votre recherche d'emploi. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous voulez être architecte, vous pourriez regarder pour technicien en architecture ou chargé de projet. Alors, il y a moyen de travailler dans votre domaine sans tout de suite être membre de l'ordre, en attendant, en parallèle, en même temps que vous faites vos démarches. Fait que ça, c'est... Mais regardez bien, parce que certaines activités aussi sont réservées. Donc, tout dépendant de ce que vous avez envie de faire dans votre pratique, ben c'est ça, ça vaut le coup d'aller voir si c'est nécessaire d'entamer les démarches. Tout à fait. Je répète pour ceux qui sont arrivés en cours de route qu'il y aura une rediffusion de ce webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube PVTiste. En commentaire, je vous ai mis tous les liens qui ont été évoqués aux différentes étapes de la présentation de Julie et de Marion. Il faut que je rajoute notamment le site Guichet Emploi, parce que quelqu'un nous demandait tout à l'heure comment savoir si notre profession est réglementée. Donc, vous avez parlé des sites québécois. Guichet Emploi, je pense que ça recroise aussi ces informations-là, ça vous en fait un de plus. Et notamment si à un moment donné vous allez ailleurs qu'au Québec, si vous faites un PVT et que vous allez dans plusieurs provinces, Guichet Emploi et notamment l'outil Explorer le marché peut vous permettre ça. Et je précise également, parce que ça peut intéresser des gens, que le prochain webinaire qu'on va faire avec la CITIM, ce sera le 19 mars et on parlera du coût de la vie à Montréal, sujet très important et pertinent, notamment cette année. Ça fait un petit moment déjà que les loyers augmentent, etc. Mais c'est juste pour vous donner un peu de précision sur le prochain live qu'on va faire ensemble. Et pour rester sur la question de la CITIM, apparemment, quelqu'un a un souci qui est rencontré par plusieurs personnes, c'est que pour s'inscrire au pré-départ auprès de la CITIM, le numéro IUC n'est pas reconnu. Donc, on lui a recommandé de contacter le gouvernement du Canada, mais finalement, voilà, ça n'aboutit pas. Est-ce que vous avez un conseil à donner là-dessus? Alors nous, en fait, on a besoin que vous nous le disiez, comme vous nous écrivez à Accueil CITIM. En fait, on a toute une étape qu'on a vue en fait avec le ministère, puis on vous donne les conseils de comment y aller étape par étape. Et nous, en fait, à chaque personne qui nous contacte, ça nous fait une personne de plus pour dire il y a un vrai problème en fait. Le cas zéro problème n'existe pas. Donc si vous étiez que deux, c'est comme ça. Mais je veux dire, là, en effet, on a vu que pendant un temps, il y avait vraiment des gens, ils n'y arrivaient pas du tout.
Donc, on a compilé les données et il nous faut, dès que ça vous arrive, en fait, c'est comme écrivez à la CITIM parce que nous, on est en lien avec le ministère et puis on leur dit, et regardez, on a encore ce dossier-là. Puis parfois, ça peut faire bouger votre dossier parce qu'en fait, vous, vous faites vos démarches. Nous, de notre côté, on dit, il y a un problème avec ce dossier-là. Mm-hmm. Parfois, ça recroise et puis ça arrive à débloquer votre dossier, en fait. Oui. Mais c'est comme, c'est ça, soyez, le pré-départ, c'est le mieux. Vraiment, j'y crois beaucoup à cette formule-là. Oui. Mais si vous ne pouvez pas nous voir en pré-départ, ne paniquez pas. Là, vous avez eu l'information que vous pouvez faire vos copies certifiées conformes. Qu'importe, en fait, c'est que vous ne soyez pas sûr encore, au moins, vous les emportez avec vous dans votre bagage. Puis quand vous arrivez, ben, nous, on peut vous accompagner. Et puis, notamment, ce qui est super pertinent, c'est que nos collègues en emploi peuvent vous accompagner sur le parcours. Si vous étiez ingénieur, on a vraiment... c'est une bonne équipe. Une super équipe. Puis même pour tous les autres aussi, on a une super équipe qui va vous dire, tu sais, dans votre cas, est-ce que c'est pertinent ou pas, tu sais, comme... Et Marion, quelqu'un nous demande s'il faut faire certifier tous ces diplômes ou juste le dernier, le plus élevé qu'on a obtenu. Non, en fait, c'est ça, c'est vraiment, il faut que vous ayez à partir du secondaire. Donc, même pour la certification ? Enfin, je veux dire, sans passer par l'étude comparative, je parle, hein, juste pour les conformes. Ben, en fait, c'est ça, c'est que comme quand même en lien, c'est que tu ne sais pas si à un moment tu vas en avoir besoin ou pas de l'évaluation. Moi, je conseille toujours de faire, tu sais, comme celle du lycée et puis toutes celles que vous avez après que vous avez eu le diplôme. Ok, c'est genre, je veux dire, si tu as fait 2 ans d'une licence et puis que tu n'as pas obtenu ton diplôme, ben, tu sais, comme ça ne sert pas. Oui. Et ce qui peut être pertinent, entre guillemets, tant que vous faites vos copies certifiées conformes, c'est de faire toutes celles du niveau, c'est comme du lycée, de vos bulletins scolaires, mais ça, c'est plus pour l'immigration. D'accord. Quelqu'un nous demande, en étant aide-soignante de Tunisie, combien de temps ça prend pour... Alors, après combien j'ai reçu l'accusé de réception de demande? Enfin, quels sont les délais, en fait, hein, pour l'évaluation comparative, grosso modo, les différents délais? De ce que moi, là, j'ai l'impression de comprendre, c'est que la dame, elle a fait l'évaluation comparative dans le cadre de sa RP. OK. Parce que là, elle me parle d'histoire d'accusé de réception et tout, parce que c'est vrai que quand on demande la résidence permanente, en fait, en règle générale, c'est comme vraiment... le ministère invite à faire cette évaluation-là. Oui. Donc, et il me semble que quand c'est dans le cadre de la résidence permanente, j'ai la sensation, c'est comme, je peux pas dire c'est sûr là, mais que c'est un peu plus rapide parce que ça va avec votre demande. Fait que c'est comme vous arrivez ici, vous l'avez en fait, votre évaluation comparative. C'est comme les personnes comme Julie vous a conseillé, si vous vous rendez compte quand vous cherchez que votre métier est réglementé, que vous contactez l'ordre et puis qu'ils vous disent qu'il va pour démarrer vos démarches, il vous faudra l'évaluation comparative et que vous commencez depuis l'étranger avant même d'arriver, c'est sûr que c'est comme vous le sentirez moins. Moins que si vous le faites à l'arrivée et puis que vous êtes vraiment en attente de votre évaluation comparative, mais pas, c'est comme, je sais que c'est stressant, mais rappelez-vous ce qu'on s'est dit, si c'est quelque chose de bloquant pour des emplois, votre dossier peut être priorisé si vous faites la démarche pour devenir prioritaire. Et là, ça va relativement rapidement. J'ai eu quelques participants qui l'ont fait, c'est qu'il y avait vraiment, c'est comme un employeur qui attendait, ou c'est une pour cause d'emploi, je veux dire, c'est comme, n'oubliez pas qu'on est dans un système assez libéral, donc tu sais, on veut pas que ça bloque dans l'emploi, donc le ministère va accélérer les choses là, vraiment. Oui. C'est ça, et donc oui, on confirme qu'on n'est pas obligé d'être résident permanent pour demander une évaluation comparative, c'est vraiment pour tous les publics, ça, très bien. Peut-être que vous ne saurez pas répondre, mais je la pose quand même. Quelqu'un nous dit, je vois sur pas mal d'offres d'emploi en ressources humaines que les employeurs annoncent que faire partie du CRHA est un plus et non pas un requis, c'est vrai que je l'avais déjà vu ça. Est-ce que, ce que la personne dit, est-ce que vous connaissez un site qui peut donner accès à des formations, des livres pour s'entraîner? Je souhaiterais m'avancer au maximum sur mes connaissances pour tenter de faire partie de cet ordre. Mais faire partie d'un ordre, est-ce que ça nécessite vraiment une performance? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, en fait, je ne sais pas comment fonctionne l'ordre des CRHA. C'est des conseillers en ressources humaines agréés.
Mais tu sais, je peux parler, par exemple, pour l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des architectes, je sais que c'est comme ça. En fait, on évalue vraiment avec des évaluations plus poussées que celles du MIFI, donc les compétences. Puis après, on va cibler ou pas hein, des lacunes en fonction du parcours de la personne. Donc, de plus en plus, les ordres professionnels considèrent aussi l'expérience professionnelle dans leur évaluation. Sauf que... alors, quand il y a des lacunes, généralement, ce qui est prescrit, c'est des stages ou des examens d'admission. Donc, c'est difficile de savoir en avance. Et en tout cas, à l'Ordre des ingénieurs, c'est comme ça. Tu sais, quand on les accompagne, on ne peut pas leur dire « vous allez avoir telle lacune ». Parce que c'est vraiment une évaluation qui est poussée puis qui est faite par des professionnels dans ce cadre-là. Donc, c'est un petit peu difficile à dire, mais sur le site de l'Ordre des CRHA, à mon avis, il devrait y avoir des bonnes références par rapport à ça, j'imagine, ouais. Sinon, on n'a pas parlé, c'était pas le thème aujourd'hui du réseautage, mais sur LinkedIn, il y a peut-être des groupes aussi, tu sais, de gens aspirants CRHA, où il y a peut-être moyen de trouver quelque chose de par là aussi. Exactement. Et puis, je sais pas, c'est comme si ça fait sens pour la personne aussi, mais je me dis, parce que parfois on se demande, c'est pas une histoire de performance, mais des fois on se dit oui, mais je vais devoir tout refaire. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, ne serait-ce qu'au niveau, c'est comme légal ici, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes normes, c'est pas le même système métrique. C'est comme, t'as besoin de reprendre de. C'est de comprendre, en fait, ici, ça va être quoi dans ton métier qu'on s'attend, la réglementation de ton métier. Je trouve. Si l'embauche, le licenciement, tout ça, c'est pas des fonctionnements tout à fait identiques à chez nous. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir avant de se retrouver confronté à ça. Tout à fait. Quelqu'un nous dit, je suis dans la fonction publique en catégorie B après avoir obtenu un concours en France. Est-ce que je peux faire une évaluation comparative pour avoir ce même type de poste au Québec dans le public? Est-ce qu'on peut travailler dans le public en n'étant pas résident permanent? Je sais que oui, mais je me doute que ce n'est pas à tous les postes. Parce que moi, j'ai été réceptionniste bilingue dans un ministère, mais j'étais que réceptionniste. Je n'avais pas accès aux documents sensibles, donc peut-être que c'est là la nuance. Mais je vous laisse répondre, vous devez mieux savoir. Oui. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de PVTistes. On en reçoit beaucoup à la CIM des PVTistes. Puis, ils ont même, tu sais, tantôt, tu parlais, Marion, des stages, on va dire, de parrainage professionnel pour les gens qui n'ont pas d'expérience CIP. C'est ouvert aussi au permis de travail ouvert. Donc oui, il y a peut-être des particularités au niveau de la fonction publique québécoise puis de la fonction comme plus publique, mais au niveau du Canada. Là, je ne pourrais pas vous dire, mais à ma connaissance, en fait, tout ce qui est permis de travail ouvert, il n'y a pas de souci, mais avec les évaluations comparatives du MIFI. C'est ça. Après, c'est ça. C'est, je ne sais pas si la personne... Parce que la catégorie B, ça ne me dit plus rien du tout. Mais je sais que des fois, Julie m'en parlait justement quand on préparait ce live. On parlait par exemple des enseignants où là, c'est quand même encore carrément autre chose. Fait que, je ne sais pas si la personne, elle est là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ça... Catégorie B, je me suis demandé si c'était enseignant. Catégorie B, c'est plutôt... les A, ça va être... Enfin, c'est A, B... C'est sûr. Est-ce qu'il y a D? J'ai un doute. C'est plutôt le grade, enfin, c'est pas grade le mot, mais la hauteur du poste qu'on a dans la fonction publique. Donc, ça changerait. La question aurait quand même marché pour C et pour A en réalité. C'est ça. C'est plutôt la fonction publique. Là, il y a pas mal d'acronymes. Est-ce que les certificats RNCP sont pris en considération dans l'évaluation? En sachant que RNCP, je m'en rappelle jamais, je pense que c'est quelque chose en France. Le répertoire national des certifications professionnelles. Ah, c'est un petit peu comme le CNP ici. Ben, je ne sais pas trop, certainement. Est-ce que c'est vraiment la nomenclature qui dit en France tel poste et tel... Est-ce que la personne peut nous répondre dans le chat si ça fait référence à la nomenclature des professions en France? Ce qui serait comme le CNP ici, en fait. C'est ça, le répertoire. Mais ça se trouve, ce n'est pas ça parce qu'un diplôme RNCP... recense la liste de tous les diplômes et titres à vocation professionnelle. C'est comme une qualification, mais c'est pas un diplôme peut-être. Si c'est un diplôme, je pense que si c'est un diplôme, c'est un diplôme hein, pour le coup. Moi, au Canada, au Québec, est-ce qu'il y a des diplômes qui refusent et d'autres qui acceptent?
C'est ce que disait, je pense, Julie tantôt. Je ne sais pas si ça rejoint cette question-là, mais c'est-à-dire que dans certains pays, il y a des accords par rapport à certains diplômes, mais pas tous les diplômes. Et l'évaluation comparative, notamment, va regarder au niveau de ce que c'est comme ça correspond à combien d'années d'études, c'est quoi le programme dans ces études-là. Puis c'est là où ils vont essayer de voir, par rapport au Québec, ça rejoint. Quoi, en fait? Oui, c'est ça. Après, on a pas mal de trucs assez précis. Je ne pense pas qu'on va vraiment pouvoir prendre ces questions-là, mais pour l'ordre des technologues, une évaluation OES sera-t-elle suffisante au lieu de l'EDE? Là, c'est vraiment, je pense que c'est trop technique. Oui, en fait, l'EDE, je pense que c'est pour l'immigration. En fait, il faut vraiment aller voir, parce que chaque ordre professionnel a ses exigences, donc il faut vraiment aller voir sur la page de l'ordre. Puis, je suis allée voir le niveau de compétence B, puis en fait, c'est une super bonne question, puis je me rends compte qu'on a un peu zappé ça, mais c'est très pertinent. Si je me trompe pas, ça fait référence à plus qui est métier spécialisé. Des fois, il y a des formations d'apprentis, tout ça. Puis les métiers spécialisés, c'est donc on peut faire reconnaître notre expérience aussi avec l'ARAC, mais c'est vrai que c'est comme autre chose, c'est particulier. Donc, ça vaut le coup aussi. Si vous allez sur Qualification Québec, si vous voulez venir au Québec, vous allez voir en fait de la même manière un peu la démarche, là, mais c'est vrai que c'est comme une catégorie aussi parce que là, il y a des cartes d'apprentis, c'est comme autre chose aussi. Mais oui, effectivement. Puis, tu sais, en fait, allez voir sur Qualification Québec. Puis, si vous voulez, tantôt, je voyais la question avec CRHA, on ne demande pas toujours d'être membre de l'ordre. Et on dit que c'est un atout. En fait, le conseil qu'on donne tout le temps sur le volet recherche d'emploi, c'est d'explorer au maximum les offres d'emploi ici au Québec parce que les exigences des employeurs, elles sont là. Donc, allez voir, ça va vous donner des bonnes pistes avec Qualification Québec et les offres d'emploi. Puis je me permets. Le webinaire, c'est un peu de reprendre les bases, vous expliquer comment ça marche, mais il va falloir que vous cherchiez aussi en fonction de votre métier parce qu'il y a tellement de métiers. Il y en a qui ont un ordre, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui demandent des démarches, d'autres pas. Donc vraiment, ça va être à vous la suite d'aller chercher en fonction de votre cas précis. Puis je me permets juste de rappeler parce que j'en profite en plus, parce que c'est pas mal de PVTIS qui ont été dans ce cas-là, là, mais. C'est vraiment important que vous vous assuriez, parce que là, on parle beaucoup aussi, tu sais, notamment de l'ARAC, de la reconnaissance des acquis et des compétences, mais que votre permis, vous pouvez le faire. C'est comme il n'y a pas tous les permis où on peut faire des études diplômantes au Québec. C'est comme il y a certains où c'est écrit sur notre type de permis. Et notamment, ce qui fait que les gens sont très confus, c'est qu'on a eu une politique d'intérêt public l'année dernière pendant quelque chose comme 4 mois, là où je sais plus. Ça a embrouillé tout le monde. Ça a été annoncé trop tard. Donc, du coup, tous ceux qui n'étaient pas concernés ont cru qu'ils l'étaient. C'est ça. En fait, c'est juste les gens qui ont eu ce permis pendant ces 4 mois-là qui, eux, ont le droit de faire des études. C'est de comme, plus de 6 mois. Oui, c'est ça. De plus de 6 mois et diplômante, là. Mais je veux dire, les PVT, normalement, là, on n'est pas censé être là, c'est comme pour se diplômer. En soi, c'était pas le but d'un PVT de base. Ouais. Fait que Julie m'expliquait que, puis je pense que tu l'as dit à un moment donné, mais il peut y avoir quelques exceptions. Il faut aussi que vous pensiez à ça, c'est qu'au Québec, on est un peu la terre des exceptions, je trouve. C'est comme, c'est vrai, là. Mais il faut que ça ait du bon sens par rapport à votre parcours et par rapport au type de permis avec lequel vous êtes là aussi. Et souvent, il faut que ce soit une autorité qui reconnaisse ça. Donc, notamment, Julie, je pense, c'est ça, c'est souvent Service Québec là, qui peut faire un peu des exceptions pour cette personne. C'est comme, elle peut rentrer dans un système, notamment DRAC, alors que son type de permis, ce n'était pas forcément... autorisé, tu me disais ça. Ah oui, c'est parce qu'il y a eu des... Oui, sauf que ça va être aux frais des étudiants internationaux. Oui, c'est là où il faut faire attention. Fait que c'est parce qu'il y a eu des invitations pour les gens qui étaient en permis de travail ouvert. En fait, il y a eu une ouverture à des formations qualifiantes de plus de 6 mois, sauf que j'embarquerai pas trop là-dedans, mais c'est en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'était à des frais d'étudiants internationaux. Oui. Il y a un petit doute. On a dit demander les copies conformes de ces diplômes. On conseille de le faire à tous, comme ça on les a, etc. Pour l'évaluation comparative, je la fais systématiquement ou j'attends de voir si un employeur me la demande. Non. Alors c'est ce qu'on disait. C'est comme avant de partir, c'est quand même bien de vous poser la question de c'est quoi votre projet. Oui.
C'est ce que je vous disais, c'est pas obligatoire de faire l'évaluation comparative des diplômes. Si tu viens en PVT pour bouger à travers le Canada, oublie l'évaluation comparative des diplômes au MIFI. Là. C'est comme ça. Déjà, c'est plus tout ce qui est canadien, parce que tu vas bouger au travers le Canada, donc c'est pas spécialement utile pour toi. Si tu veux, tu viens dans un type d'immigration plus permanent, d'accord ? Parce qu'on a malgré tout maintenant des fois des PVTistes qui arrivent, mais qu'on... tu as quand même aussi envie de rester là, tu sais, comme plus longtemps. Et puis que tu as envie de retrouver, si tu veux travailler dans le secteur public, parapublic, c'est ce qu'on disait, il te faudra l'évaluation comparative des diplômes. Là, la personne qui nous parlait de j'étais en France dans le secteur catégorie B, je voudrais retravailler comme ça au Québec, bah, il faudrait faire l'évaluation comparative. Hein. De toute façon, sans ça, tu pourrais pas rentrer dans le système public, parapublic. Et ce que disait Julie, de vous renseigner avant, si vous, ça fait partie de vous, c'est comme chercher, est-ce que mon métier est un métier réglementé? Si vous vous rendez compte que votre métier est réglementé, là, c'est ce qu'on disait, prenez contact avec l'ordre. Aussi, oui. Pourquoi? Parce que des fois, notamment, là tout à l'heure j'ai vu passer, je crois, quelqu'un qui disait qu'il était ingénieur de, c'est comme dans tel domaine, mais l'ingénierie au Québec, c'était comme, par exemple, il y a des gens qui des fois arrivent, ils me disent ah je suis ingénieur, puis ils me disent en architecture, puis Julie, elle me disait ben non, ça c'est pas, ici c'est pas de l'ingénierie. T'as un ordre des architectes. Fait que si tu commences à prendre contact, puis on a déjà eu une participante qui était un peu à cheval entre deux ordres, elle n'arrivait pas vraiment à évaluer, puis elle a commencé les démarches sur un des, t'sais, comme, elle s'était renseignée toute seule, puis elle n'avait pas trop été, t'sais, vers les deux ordres pour s'assurer duquel était le bon. Oui. Puis du coup, elle s'est avancée dans un des processus, alors que comme Julie disait bien, c'est pas la même chose dépendamment de l'ordre. Donc, faut que vous vous assuriez de qu'est-ce que l'ordre il veut comme processus. Exactement. Vous rapprochez de l'ordre, mais aussi regarder les offres d'emploi, justement pour bien comprendre, vous allez le voir, si vous cherchez, par exemple, chimiste ou ingénieur chimiste, ben, vous allez voir que ce n'est pas la même chose, puis ce n'est pas les mêmes ordres professionnels non plus. Tout à fait. Une autre question qui revient pas mal, donc qui doit inquiéter un petit peu, c'est est-ce qu'on doit donner juste son diplôme ou est-ce que il faut aussi tous les relevés de notes? Il y en a qui les ont plus, leurs notes, pour faire les démarches. C'est obligatoire? Non, c'est vraiment c'est les diplômes. Et puis, en soi, je veux quand même vraiment vous dire que je veux pas aller trop loin dans l'individuel parce qu'il y a des choses qui sont général, là, mais dépendamment de nos pays d'origine, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas la même chose. Hein. Moi, je vois qu'il y a une réelle différence dépendamment des pays de ce qu'on vous demande. Okay. Donc, tout ça, c'est Marianne. Sur Qualification Québec. Pardon. Quand on lance ces démarches sur Qualification Québec, on peut retrouver toutes ces informations, ce qu'on doit fournir chacun. Moi, là, ici, j'ai un petit bémol, en fait. Peut-être que pour le MIFI, c'est les diplômes, mais pour les autres professionnels, les relevés de notes, des fois, sont super importants aussi. Mmh. Ouais, fait que c'est pour ça que c'est votre métier réglementé, aller voir l'ordre professionnel. Peut-être si on a la preuve, je ne sais pas, qu'il y a eu un incendie ou quelque chose comme ça, qu'on a perdu des documents importants, peut-être prouver comme ça, je suppose, parce qu'il y a forcément des gens qui ont perdu... mais moi, je ne peux pas vous promettre que j'ai toutes mes notes. Quelque part. je sais que souvent, ils essaient d'accommoder. Là. Il y a des programmes particuliers aussi, par exemple, pour des pays où c'est instable au niveau politique en ce moment. Donc, la plupart du temps, ils essaient de faire comme ça, mais ils sont quand même assez rigoureux sur les exigences documentaires pour les autres professionnels. OK. Très bien, merci. Il y a peut-être eu une petite incompréhension. Quelqu'un nous dit, je vous ai entendu dire que la reconnaissance des diplômes pouvait entrer en conflit avec le visa qu'on avait, par exemple le PVT, mais je n'ai pas bien compris ce point. Non, ce qu'on disait, c'était plus au niveau... On a aussi beaucoup parlé là de la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux faire... C'est comme là, à la fin de ça, tu obtiens un diplôme québécois. C'est comme, et puis ça va, c'est complètement autre chose là, mais à la fin tu obtiens un diplôme québécois, et puis surtout on va souvent te demander de refaire certaines sessions, donc tu vas devoir aller en établissement, c'est comme un établissement public, faire des c'est comme tes études là au Québec. Ça, si tu es en PVT, tu n'as pas le droit de faire des études,
Fait que la RAC, c'est pas adapté pour un PVTIS, par exemple. Et si jamais tu ne respectes pas les exigences de ton permis, sur ton permis, c'est écrit que tu n'as pas le droit de faire des études et que tu fais des études, ben quand tu vas vouloir peut-être prolonger ton permis ici ou tu sais, comme demander la résidence permanente et qu'on voit que tu n'as pas respecté les conditions de ton séjour, ben là, par contre, on va te dire au revoir. C'est comme, tu n'as pas respecté. C'est comme des fois les étudiants qui viennent et puis ils trouvent un emploi et puis ils lâchent les études. Ça rejoint la même chose, c'est voilà. Quand vous arrivez pour une forme d'immigration, normalement, vous êtes censé suivre cette voie-là. Tout à fait. Merci pour cet éclaircissement. On parlait tout à l'heure de « j'ai pas les relevés de notes, mais j'ai le diplôme ». Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a les relevés de notes et puis on ne sait plus où est le diplôme ? Ça, je pense qu'on peut peut-être le demander quand même à son établissement. Les établissements, des fois, ils ont gardé les copies. Et puis, dépendamment des pays. Alors, je sais que, par exemple, en France, là, il y avait eu tout un truc de numérisation. Fait que si tu vas au rectorat, le rectorat peut te réimprimer tes diplômes. Je dis pas que c'est facile, par contre. Je pense que c'est un peu long. Mais, ouais. Mais le rectorat a toutes les preuves de tes diplômes. Fait que tu peux redemander, en fait, ton diplôme. C'est ça, puis il y a Nana qui dit qu'elle aussi, elle a pu récupérer ses notes auprès du rectorat 12 ans après. Ouais. Voilà, merci pour le retour, c'est toujours intéressant. C'est un sujet à part entière. Est-ce que vous avez des informations sur les infirmiers, infirmières ? Ça se passe auprès de Loïc, nous dit la personne OIIQ. Je sais que ça prend un peu de temps. Est-ce qu'il vaut mieux directement contacter Loïc pour avoir tous les détails, peut-être ? Ah oui. Oui, c'est vraiment mieux parce que... En plus, oui, oui. Il y a peut-être des arrangements aussi sur la reconnaissance mutuelle, probablement hein, avec l'ordre des infirmières aussi. Donc, ça vaut le coup d'aller voir parce qu'il faut comprendre que quand il y a des ententes comme ça, c'est vraiment facilitant. Puis la démarche, elle est moins longue aussi. Donc, ça vaut le coup d'aller voir du côté des ordres directement. Tout à fait. Et d'ailleurs, de façon générale, on va vraiment, comme je le disais il y a une dizaine de minutes, là, on vous a donné la base. Maintenant, ça va être à vous vraiment d'aller regarder sur Qualification Québec, sur tous les liens qui sont déjà en légende de la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube PVTiste, sur Guichet Emploi, un petit peu partout. Allez prendre de l'information, regardez si votre profession est réglementée ou non. Julie disait de ne pas hésiter à regarder sur les offres d'emploi aussi ce qui est dit, ce qui est demandé, etc. Pour tout ce qui est équivalence, vous allez indiquer votre diplôme obtenu dans votre pays d'origine, vous n'allez pas mettre le nom du diplôme québécois parce que ce serait sous-entendre que vous avez ce diplôme au Québec. On peut mettre, tu disais tout à l'heure, plutôt mettre équivalent à ceci, cela, mais bien garder le nom quand même de votre diplôme dans votre pays d'origine avec une sorte de précision pour l'employeur. Il ne faut pas mettre le diplôme québécois si vous n'avez pas eu le diplôme au Québec. C'est tout à fait ça. Alors, Nana nous dit aussi, merci, tu es spécialiste du rectorat. Elle nous dit que les diplômes, apparemment, sont gardés seulement 2 ans. Mais au-delà, les relevés de notes sont dispo et je pense que cela suffit comme preuve. Ok, bon, je vous donne un petit peu ce qu'on nous dit en direct. Il faudra voir aussi ce qui vous est demandé exactement. Oui, vraiment, c'est comme le... Là-dessus, je vous dirais, partez pas du bon sens, pour le coup. C'est si on vous demande le diplôme, c'est des fois, il faut le diplôme, là. Et puis, tes relevés de notes, ce sera pas ce qu'on veut. Et puis, si on te demande les relevés de notes, c'est les relevés de notes qui comptent et c'est pas le diplôme. Ah, c'est ça, exactement. Alors que j'ai dit qu'on n'allait pas vraiment faire du cas par cas, mais quelqu'un qui nous demande pour être coach sportif, non, je ne vois pas quelqu'un te demander une évaluation de diplôme sur coach sportif. Après, peut-être qu'il pourrait te le demander, mais je ne pense pas. Après, ça va vraiment dépendre de est-ce que ton diplôme est vraiment important ou pas. Je ne dis pas qu'en tant que coach sportif, il n'est pas important, mais j'ai tendance à penser qu'en une session, on va voir si tu sais faire ce que tu dis que tu sais faire. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais je pense que ce n'est pas systématiquement demandé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attendez de voir aussi si ça vous est demandé. Pareil pour la banque, ça dépend à quel poste. Moi, j'ai eu tellement de PVTistes à qui on n'a rien demandé que je ne peux pas vous dire qu'on vous le demandera systématiquement. Mmh. Attendez de voir aussi. Mais déjà, demandez les copies conformes de vos diplômes, comme l'a recommandé Marion. Au moins, vous avez ça. Si on vous demande des choses ensuite, vous aurez déjà les documents importants. Voilà. Oui, et explorer les postes. Oui. Si. C'est ça. Voir ce qui est marqué dans les annonces. C'est directement demandé, généralement.
Ben, en fait, les exigences sont là. Je donne un exemple. Si on veut travailler ici sur un chantier de construction, il faut une carte en santé sécurité sur les chantiers. Puis ça se trouve, c'est presque systématiquement inscrit sur les offres d'emploi. Okay. Donc, ça vous permet de préparer votre projet un petit peu en amont, d'aller explorer puis de voir qu'est-ce qui est attendu des employeurs. Si vous relevez plusieurs offres d'emploi, vous allez en regarder beaucoup. Vous allez avoir une bonne idée de ce qui vous attend en termes d'exigences. L'anglais, par exemple. Ça, c'est un autre sujet par entière, mais à Montréal, avoir un bon niveau d'anglais, vous allez le voir sur les offres d'emploi. Oui. Tout à fait. Eh bien, impeccable, parce que c'est vrai que là, on arrive quand même à la fin, on est à 1h20 de webinaire, et puis j'ai vu que c'était des questions souvent un petit peu précises sur un emploi. Donc, on vous laisse faire vos recherches personnelles, contacter l'ordre qui régit votre profession si elle est réglementée. Parfois, aller à la source, je pense notamment aux infirmiers et infirmières, mais pas seulement, c'est avoir des gens qui ont l'habitude, peut-être même un document récapitulatif qui vous expliquera tout. Donc, voilà. Allez chercher auprès des experts de votre domaine. Au moins, vous avez compris un peu les nuances entre équivalence, reconnaissance, études comparatives. Tout ça, c'est un jargon qui peut-être vous était inconnu au début de ce webinaire, mais qui est un petit peu plus clair maintenant. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit, le webinaire reste en replay sur notre chaîne YouTube PVTiste. N'hésitez pas à le regarder si vous êtes arrivé en cours de route ou à le re-regarder si tout n'est pas clair. Ça sera sans doute encore plus clair à la fin de la deuxième visionnage. Pardon. Et puis, bah, Julie et Marion, merci beaucoup pour votre expertise. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce que c'est tout bon pour vous? C'est bon. Merci de nous merci. Avoir invités à partager sur ce sujet. Impeccable. Oui, merci à tous. Merci deux. Beaucoup. Très bon après-midi, très bonne fin de journée. Et puis à tous ceux qui sont un petit peu plus, comme je dis souvent, à droite sur le globe comme moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.